Il était une fois Alzheimer. Je fais partie de plusieurs groupes privés sur cette foutue maladie. Et ce matin, c'est fou, en lisant tous ces postes de témoignages, je me disais que tous ces groupes de paroles sont dans le même bateau, la même galère, bateau d'esclaves. Mais nous restons en groupe privé. Pourquoi? Pourquoi ne pas afficher en public ce que nous vivons? Pourquoi ne pas dire en public ce que nous ressentons? Avons-nous honte? Honte de quoi? De notre colère? De notre effroi? De notre peine? De notre impuissance? Avons-nous peur? Oui, bien sûr. Évidemment. Certainement. Sommes-nous pudiques? Trop pudiques? Chez les Occidentaux, il n'est pas culturel de prendre soin de nos aînés, contrairement aux pays asiatiques ou africains. C'est un fait. Et pourtant, quand cette maladie débarque dans une famille, il faut faire face, seul au départ, perdu face aux symptômes, incrédule. Puis vient le début de la prise de conscience que quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose n'est pas normal. Et là commence la mise à l'épreuve de nos nerfs, de notre mental. Nous nous mettons en alerte, nous nous mettons en observation discrète. Je suis persuadée qu'au début, personne ne veut croire à cette pensée fugace. Et si c'était Alzheimer? Va des rétro, Satanas. Et pourtant, le ver est dans la pomme. Et pourtant, l'acide ronge peu à peu le cerveau. Et pourtant, il est déjà trop tard. Alors nous partons tous en guerre. Au début, dans tous les sens, puisque nous n'avons pas de ligne de conduite, puisque nous ne connaissons même pas l'ennemi. Puis, petit à petit, et encore, si nous avons la chance, l'opportunité de parler autour de soi de ce qu'il se passe dans notre famille, nous glanons par-ci, par-là des infos, des conseils. Mais mon Dieu, quel gouffre, quel enfer, quelle solitude. Évidemment que les groupes de parole sont utiles, évidemment que les associations spécialisées sont utiles. Mais si nous portions en public nos peurs, nos colères, nos interrogations, nos peines, nos souffrances, cela ne ferait-il pas un peu bouger les autorités publiques face à la prise en charge de ces maladies neurodégénératives et des aidants? Je suis persuadée qu'il faut semer petites graines par petites graines pour récolter une bonne moisson. Je ne vis pas dans le monde de oui-oui. Je suis extrêmement lucide, parfois un peu trop. Ma mère est déclarée officiellement Alzheimer depuis novembre 2021. Mon père est déclaré officiellement Alzheimer depuis février 2024. Je dis déclaré officiellement, car nous ne nous voilons pas la face. On sait très bien que la maladie se manifeste des années avant que le verdict ne tombe. Je ne suis pas désolée pour ceux qui seront dérangés par mes mots. Chacun réagit comme il peut. Souvent, le silence n'est pas d'or.